s'est pas arrêté à cela. Une journée internationale qui aurait pu se passer à Dakar, vous l'avez déportée à Saint-Louis pour apporter plus de visibilité, plus d'attractivité et encore plus de renom à la ville de Saint-Louis qui en a grandement besoin et qui aujourd'hui postule pour être la capitale africaine de la culture en 2015. Monsieur le Président, vous êtes un ami. Vous êtes aussi, du fait de votre âge et de ce que vous représentez pour nous, un mentor. Vous êtes quelqu'un qui encadre, qui assure derrière, qui négocie, qui réconcilie. C'est tout cela dont Saint-Louis a besoin. Votre présence à Saint-Louis est un des faits marquants de ce retour souhaité, de ce retour exigé, de ce retour aussi exigible par Saint-Louis par rapport à tous ces enfants qui ont réussi et qui ont fait les beaux jours du Sénégal et d'autres contrées du monde. Aujourd'hui, vous venez vous apporter ce souffle nouveau, cet élan de solidarité et cette disponibilité pour votre pays. Vous regardez avec l'IGB, vous regardez avec le sport saint-louisien, vous pensez au devenir du sport, au devenir de la natation. Vous pensez et vous agissez ce qui est le plus important. Et de ce point de vue, nous vous tendons notre main, cette main déjà que vous avez saisie fermement et pour laquelle vous êtes décidé à nous accompagner. Et je voudrais, au nom de mes concitoyens, en votre nom à vous-même, puisque vous êtes de Saint-Louis, vous dire merci. Au nom des citoyens de la ville de Saint-Louis, vous dire tout le plaisir que nous avons eu de vous accueillir à Saint-Louis, chez vous. Mais aussi tout le plaisir que nous avons eu de voir avec vous un citoyen, un enfant de Saint-Louis qui a des responsabilités à l'échelle internationale et qui garde toujours l'humilité, la fierté, la disponibilité, l'esprit solidaire qui caractérise les Saint-Louisiens. Vous l'avez magnifié depuis bien longtemps déjà par votre engagement, par le souci permanent que vous avez pour Saint-Louis. Et mes amis, je ne puis vous dire le nombre de coups de fil que j'ai eu du président Diagne Ndiaye qui rencontrait une très haute personnalité de l'État français, pour ne pas dire un ministre de la République française, et qui me saisissait à l'instant pour me dire « Monsieur le maire, voici cela que j'ai fait, voici la direction dans laquelle vous devez aller. » Je crois que c'est comme cela que l'on construit l'esprit de Saint-Louis et c'est comme cela que l'on fait grandir sa ville. Le Sénégal vous doit énormément de choses pour votre parcours. Et quand on parle de sport, vous êtes un modèle. Parce que le sport n'a de finalité que s'il permet à la personne de se réaliser physiquement, mais ensuite de libérer son esprit pour lui permettre d'être un citoyen qui contribue. Et sur les deux tableaux, vous êtes un modèle pour les Sénégalais. Et je voudrais à travers votre personne féliciter et remercier tous les membres du CNOS, Monsieur le maire Santi Agne, toutes les grandes personnalités qui font la fierté du sport sénégalais.